Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un combat Wi-Fi que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc on peut voir que ma team elle a l'air beaucoup plus offensive que la team qui est en face. Sauf que moi il y a du Cancre Love, il y a du Demeteros, du Mega Metalos. Donc on va lancer le match tout de suite et je pour le rappel c'est un replay custom que j'ai modifié en fait sur mon PC. Donc pour les replays custom, j'ai pas besoin de vous faire de tutoriel parce que là, ouais, vous voyez que je suis sur dans la base de la team Heiser. Et c'est la musique d'XY. Donc, pour faire ceci, bah, il vous faut tout simplement un éditeur de replay qui s'appelle Replay Editor, je sais plus comment. Donc, si vous voulez faire cette manipulation, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Dahlia. Mais par contre, il a, comment dire, toutes ces vidéos tutoriels ont été mis sur un site internet que vous trouvez dans sa chaîne YouTube, donc voilà. Donc, je dis ça me placer avec Dansraco, donc oui. Bon, ce n'est pas méga d'attaque, donc là il fait explosion, donc forcément ça va faire mal. Là c'est le bon, je fais vol, vous allez me dire mais what the fuck, tu joues vol sur attaque, mais ça peut vachement être pratique. Donc je pense pas que j'ai vu, donc la fermeté, donc c'est pas dramatique. C'est dommage, si j'aurais pu me placer, mais j'ai pas pensé que le crustabrille fermeté, je m'en suis pas rappelé. Donc le crustabri, que le crabarak avait fermeté, je m'en suis pas rappelé. Et puis voilà. Donc là je tape un laser glace. Je vais faire autre chose, hein, c'est plus précis. Et là, c'est l'attaque du Cancrelof augmente et pas la vitesse. Hein. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire des gros dégâts. Donc voilà, je suis hors de vie normalement, donc normalement il devrait pas avoir de soucis. Il a switch. Mon gros erreur de sa part, ça va lui faire très mal. En tous les cas, j'ai laser glace pour la précision, puis voilà. Pour éviter sa pied voltige plusieurs fois. Donc là, il switch encore une fois, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ça n'a servi à rien. Voilà. Très clairement. Donc voilà, après, c'est pas un combat ouf, mais je l'ai pris parce que normalement, j'en ai présenté un combat multi, mais il y a eu un petit problème avec le replay. Donc normalement, la prochaine fois, ce sera un combat multi que je vous montrerai. Donc là, j'augmente mon attaque, je me mets vraiment bien. Là, il met Métallose, donc je me suis dit, ah, il va me faire piste au point, c'est obligé. J'envoie également mon Métallose. Il tape séisme, et là, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté qu'il tape séisme. Je m'attendais plutôt à un pistopoint ou. Donc là, il remet d'attaque, forcément, j'ai pas anticipé. Parce que je. Voilà. Donc là. Je décide de méga évoluer, mais bon. Je vais taper séisme dans le vide. Oh, excuse-moi pour le cadrage. J'ai un petit problème. Ah putain. Et là je lui dis, il va me dépasser, c'est obligé. Sauf que non, il me dépasse pas et puis franchement, ça va, comment dire, sauver la vie.
Bon, désolé, je dois brancher la console. Voilà. Là, j'ai activé cette assurance. Je m'y attendais pas du tout à un site comme ça. Il fait hâte. Et là, j'ai commencé à me dire. Ouais, ok, si tu veux. Donc, j'étais vraiment, comment dire, mal. Donc, ça, c'est pour moi, ce métallo, c'était un 7.5G, il me semble. Excuse-moi, ça bouge, hein, je filme sur téléphone maintenant, plus sur tablette. Donc, j'essaie de me cadrer. Putain de merde. Donc là, forcément, il va taper point météore. Bien sûr, je vais pas mourir. Un PV, vous avez vu? Un HP, franchement, c'est ouf. J'ai essayé de le burn, ça a pas marché, malheureusement. Si j'aurais burn, ça aurait été free. Free gratuit, quoi. Donc là, il tape séisme. Il a pas réussi point météore pour mettre son attaque, ça servait à rien. Donc là, je me suis dit très clairement, j'ai perdu le match. Hein. C'est pas possible. Hein. Bon, là, je vais te copier, vous allez me dire, mais ouah, t'as perdu, là, frère. Donc là, en fait... Et non, j'ai pas perdu. Je suis mouchoir choix, donc je dépasse quand même, même après une hâte de Métallos. Donc c'est fou, je sais pas s'il est rigide ou jovial sur Métallos. Et je pense qu'il est plutôt rigide. Donc là, il sort pour Egon Z. Donc, je sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je m'en rappelle plus. Juste un pouvoir lunaire qui va faire très mal. Donc là, il fait... Je crois que c'était conversion Z. Il aurait dû taper plutôt. What the fuck. On voit... Turbocharge bulldozer sur ce Porygon, c'est pas, comment dire, fou. Ça tue, monte au copillon. Malgré ça. Et derrière, de toute façon, j'avais Cancrelove. Là, bien sûr, j'ai pas tenté. J'ai fait Furibond. Et puis voilà, c'est comme ça que le match termine. Donc, j'ai eu la chance que le Métallos, comment dire, ne soit pas, comment dire, plus rapide que mon Tocopillon. Donc voilà, c'est tout pour ce match. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à laisser vos replays en commentaire pour que je commente vos matchs à vous. Et puis voilà, à plus pour une prochaine vidéo.